Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Star sur la chaîne Le Maraîcher sur la map Vieille France by Arsenic Modding. Tout de suite, parce qu'on parle de Arsenic Modding, je vais pousser un petit coup de gueule encore une fois, tout simplement, à propos de vol de mode. Donc je vous explique, Arsenic Modding a sorti récemment avec Edwin. Un 4 challenger, vous avez pu voir, il était en download sur tous les sites de mode quasiment hein. Et encore une fois, cette porte est un petit peu chiante, encore une fois ce mode a été volé. Alors il s'est déjà fait voler récemment sa New Holland, enfin son reskin de New Holland CR1090. Cette fois-ci il se fait voler de nouveau le 4 challenger. Donc bah, résultat des courses, voilà, Arsenic Modding a décidé tout simplement pour le moment d'arrêter de partager des mods tout bêtement. Donc je compatis avec toi Arsenic, hein. Il est quand même absolument honteux de voler le travail d'autrui, puisque voilà, la CR1090 avait été reskinée en bleu et blanc, vous avez pu la voir de toute façon sur des sites de mode par, je crois que il s'appelait Big Boss ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vraiment pas terrible. Donc là, une nouvelle fois, 4 challenger, la personne a modifié, reskiné un petit truc, résultat des courses, bah voilà, et puis il l'a remis à son nom. Donc bah voilà, je profite de cette vidéo-là tout simplement pour pousser encore un coup de gueule. Et ne vous étonnez pas, entre guillemets, chers abonnés ou personnes qui regarderaient tout simplement cette vidéo, que un jour vous n'ayez plus tout simplement de mode en partage. Les modeurs garderont leur travail pour eux, et puis ça sera pas plus compliqué que ça, il n'y aura plus de mode en téléchargement. Voilà, alors regardez, on a fait un petit investissement, on m'avait dit que ça allait super bien pour un petit peu enlever, pour déchaumer ou pour ces choses là c'est un Reform Metrac. Donc mes tout simplement pommiers ont poussé, on va aller tout simplement mettre comme on l'avait fait à l'époque avec le 95-14, mettre un petit coup autour de mes arbres, et puis on va voir ce que ça donne. Alors au niveau intérieur c'est pas trop mal modé, c'est assez cubique je vais dire, mais écoutez ça a de la gueule, c'est marrant plutôt, donc on y va, ça a l'air de rouler pas trop mal. On va aller mettre un petit coup de broyeur autour des arbres pour que ça soit un petit peu plus propre. Alors, allez, ça roule plutôt pas mal hein. Alors j'ai mis le HUD-Hider pour enlever un petit peu tout ça et que ça soit plus joli à l'écran. Je trouve que c'est plus joli quand il n'y a pas toutes ces indications. Donc c'est direction les champs qu'on avait semés la dernière fois. Ça y est, mes arbres ont poussé. Alors ceux qui vont avoir l'œil vont comprendre un petit peu ce qu'il était. Donc c'était pour le roleplay, hein. Bien évidemment j'avais utilisé, j'ai dû répondre à certains commentaires de personnes qui me demandaient « Mais comment t'as fait pour planter des pommiers ?» Eh bien écoutez, comme j'ai répondu à ces gens-là, tout simplement, j'ai pris tout simplement comme si je plantais, entre guillemets, des sapins, hein, puisque c'est la planteuse d'origine du jeu. Je plantais mes sapins, et puis après, je suis venu tout simplement poser, effectivement, mes arbres, mes pommiers. Regardez comme ça, de la gueule. Voilà, mes pommiers sont là, impeccable. Donc on va tout simplement baisser ça. Hop, on va activer. Et le bruitage est pas trop mal fait. Allez, on passe un petit coup sur les bordures. Voilà, donc si vous avez... Hop là, pardon. Si vous avez l'œil, vous voyez les plantations des sapins. Voilà. Donc, vu que j'avais fait ça que sur un champ, voilà, regardez, il y a le petit sapin, entre guillemets, à côté du pommier. Et sur l'autre, vu qu'on n'avait pas tout simplement planté de pommiers, planté de sapins, entre guillemets, vous n'avez que les pommiers. Voilà, c'était pour la vidéo, c'était pour... faire comme si, entre guillemets, dans le maraîcher, on plantait des pommiers, on se crée un nouveau verger, et ça a plutôt pas mal marché, puisque certains d'entre vous ont cru que je plantais réellement des pommiers. Donc je suis content de ma petite affaire, comme on dit. Allez, on y retourne tranquillement, on va faire ça sur ce champ-ci, on va pas faire ça sur les deux champs, puisque la dernière fois on l'avait déjà fait, je vais pas vous montrer ça. Et je vais vous montrer comment je vais ramasser tout simplement mes pommes avec justement Arsenic qui m'a transmis un mod que j'avais trouvé super sympa. J'avais eu sur une de ses screens tout simplement. C'est les caisses avec lesquelles on peut tout simplement venir récupérer, alors a priori à peu près tout. Alors moi je vais m'en servir pour récupérer mes pommes. Mais a priori ça peut servir pour récolter à peu près tout. On peut à peu près tout mettre dedans. C'est la chose que vous avez vue tout simplement à côté du Reform là-bas au garage. Allez, on y va, on continue. Est-ce qu'on peut se faire... Bah écoutez, on va se faire ça, hop. Ah, par contre, c'est vrai que c'est pas évident de gérer la distance. Hop, on va essayer de faire comme ça. On va se faire ça en vue intérieure. C'est pas trop moche, c'est pas des mieux modés à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, à l'extérieur, parce qu'effectivement, il n'y a pas réellement de cabine.
Mais je trouve ça plutôt sympathique. Allez, ça devrait passer. Voilà, hop, on y va. On se fait le demi-tour. Ah, on a vu le l'échappement, la chaleur de l'échappement qui a fait tout trouble l'image. C'était marrant, c'était sympa. Allez, hop. Encore deux allers-retour et on sera tip-top. Nos arbres seront prêts pour la récolte. On viendra avec une benne. Alors, je sais pas comment on va faire. On va faire un petit test. Franchement, j'ai pas fait le test avant. On va voir. Mince, j'ai arrêté. J'ai pas fait le test avant. On va voir. On va venir avec ces fameuses caisses dont je vous parle. Et on va également venir avec la remorque, la Ross conteneur. Et on va voir si on peut vider de la caisse à la remorque. Ça va être le test. Franchement, j'ai pas testé avant. On va voir. Donc, je sais pas si je vous l'ai demandé, mais j'espère que vous allez très bien. Donc quand vous verrez cette vidéo-là, voilà, c'est des vidéos que je tourne en avance. Quand vous verrez cette vidéo-là, bah, je serai en vacances, je serai au bord de la mer avec ma petite famille, certainement les pieds dans l'eau, on va en profiter. J'ai pu tourner quelques vidéos d'avance, il y en aura en théorie à peu près deux par semaine, voilà, pour les semaines où je ne vais pas être là. La troisième semaine de mon absence, bah, a priori vous aurez rien. Donc vous aurez celle-ci, vous aurez une normalement sur American Farmer, vous aurez du ETS2 American Trucker et vous aurez une autre enfin pour finir, hop, voilà, sur ça sent le sapin, voilà. Et ça sent le sapin, normalement, petite surprise, on va changer de map, on va évoluer, on va aller voir ailleurs que dans les Alpes. J'ai vu sur une vidéo, alors on m'accusera peut-être de plagiat, enfin, les cartes sont à disposition et pour tout le monde, donc on verra bien, voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne du trio Original Team, pour ne pas les citer. Allez, on va tout simplement récupérer, par contre, il faut que j'ai un tracteur avec un chargeur avant. Et ben non, de toute façon avec un chargeur avant j'ai, on va se récupérer le Ford, le TW10. Alors vous voyez qu'il y a quand même du bateau, voilà, il est ici, on va lâcher la remorque, celui-ci a le chargeur, on n'est pas trop loin. Allez, un petit coup de vue intérieur. Oups là, je suis parti où? J'ai raté la sortie, c'est ici que ça se passe parce que je n'ai pas tombé dans l'eau. Non, ça a l'air d'être bon. Allez, on filoche en TW10 de Ford, super bien fait, mis à part le bruit comme je vous l'ai déjà dit, mais bon, tout est perfectible, hein, y a pas de souci. On va su mettre un petit bras Stoll, on va pas mettre un bras New Holland, ça va faire bleu foncé, bleu clair. Je préfère mettre un bras noir, ça va être plus sympa. Voilà, on peut normalement accrocher derrière une caisse, on peut en mettre sur le bras. Il faudra que je vienne avec un autre tracteur, il faudra que je retrouve ma Ben Brantner qui doit être, je pense, si mes souvenirs sont bons, à la ferme. Donc map vieille France, alors moi je suis sur la V1, puisqu'à l'époque la V1.5 n'était pas sortie, toujours aussi sympa, toujours aussi magnifique. Allez, on y va, on va acheter donc ce fameux bras dont je vous parle. Hop, le Stoll, c'est ok, merci monsieur. Il est là-bas, on va le récupérer. Voilà la fameuse caisse dont je vous parle. J'espère qu'on va pouvoir l'atteler. Ouais, ça a l'air d'être parfait. Voilà, un ensemble pas trop moche. J'ai pas de bras bleu clair. Donc on va faire avec. Allez, récupérons cette fameuse caisse. Ouh, ça fait un... Voilà, et on va s'en prendre une deuxième que normalement on a la possibilité d'attacher derrière d'après ce qu'il m'a dit. Le tout est de savoir où est-ce que j'avais acheté ça. Peut-être dans les chargeurs avant. Non, alors peut-être dans les divers. Non plus. Ah. Où est-ce que j'ai pris ça? Dans les bennes. Ouais, voilà, c'est dans les bennes. Ok, voilà. Allez, on voit une deuxième. Normalement, elle atterrit ici et elle est vachement bien placée pour venir la chercher. On va se péter le demi-tour. Et normalement, j'étais censé pouvoir, a priori, comme ce qu'il m'a dit, en accrocher une autre. Impeccable. Allez, on y va. Direction notre verger de pommiers. Normalement, elles sont prêtes à récolter, en théorie. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, on mettra un petit coup de time fast forward. Puisque dans farming, on a la possibilité de faire ce qu'on veut, de mettre le jour, de mettre la nuit, d'avancer le temps par 12 000. C'est ça l'avantage. C'est une simulation, mais ça reste avant tout un jeu. Un plaisir, tout simplement, à jouer, à vous faire partager, en tout cas pour ma part, ces choses-là. Toujours le fameux supermarché qui nous prend pour des andouilles, qui nous rachète ça absolument
à des tarifs défiant toute concurrence. C'est sûr que c'est bien pour le consommateur, mais pour nous producteurs, ben, on n'arrive pas tout simplement à vivre, et c'est un petit peu la chose que le monde agricole a voulu faire savoir il y a une quinzaine de jours, tout simplement en bloquant un petit peu les routes. Et je trouvais ça absolument extraordinaire, tous ces tracteurs sur la route, sur l'autoroute. Allez, on va voir si ça marche. Et si ça marche pas, ben, ça sera le fail de la vidéo. Allez, on va se monter ça. Est-ce que ça me remplit de la pomme ? Ou pas. Eh bien écoutez, impeccable, regardez. J'ai les pommes qui rentrent dans la caisse. Ok, celui-ci est réglé. Ah bah ça m'en a mis derrière aussi. J'ai pas compris pourquoi. Normalement il n'y en avait plus. Est-ce que je suis pas assez dessous? Ouais, ça a l'air de récolter. Les pommes disparaissent au fur et à mesure. Est-ce que je suis assez près? Est-ce que je suis pas assez près? Ah, c'est sûr que c'est pas évident. Allez, on va essayer de faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il me mettrait d'autres pommes? Voilà, là ça a l'air de récolter. Celui-ci a l'air ratiboisé. On est bien. Bah écoutez, c'est parfait. Ça marche impeccable. Merci Arsenic. Ça a de la gueule. Ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Et donc on viendra tout simplement avec un tracteur et la remorque. Et on va pouvoir... Alors par contre parfois ça a l'air de pas forcément fonctionner. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression que ça récolte ou ça récolte pas? Voilà, il faut faire un petit aller-retour, ça passe mieux. On va se mettre comme ça. Ou pas, voilà. Ouais, des fois ça a du mal à récolter. Bon, c'est déjà pas mal, on a déjà de la pomme. C'est tip top, voilà. Au pire, ce qui n'est pas récolté est ramassé dans la caisse derrière. On est tip top, c'est parfait, on récolte nos fruits. On va aller vendre ça tout simplement au marché. Voilà, impeccable. Voilà, on va passer... Merde. Oh, puis le con. Je me trompe de touche et on va se payer le droit tout simplement de remonter et de switcher. Voilà, dans tous les véhicules. Alors, on va juste rajouter le HUD parce que j'ai l'impression des fois que ça ne remplit pas forcément. Et je voudrais voir si ça remplit ou pas. Est-ce qu'on est plein ? Non, je m'étonne. C'est bizarre. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi haut? Ah, regardez, en fait, le fait d'être en haut, ça n'aide pas. Ouais, je voulais être en haut et finalement, c'est pas terrible. Autant être plus bas. C'est moins réaliste. Mais en tout cas, au moins, ça ramasse. Et c'est ça le principal. Voilà, impeccable. On remplit tranquillement nos pommiers. Ici on en avait laissé pas mal, ça remplissait pas. Voilà. Et après ce qu'on peut faire carrément, eh ben, on inversera. Ok, toi t'es sec. Donc sinon on peut faire un truc plutôt sympa. C'est ça. Allez, on y retourne tranquillou. Donc là a priori ça a l'air d'être bon. On va continuer. Pendant qu'on dormait, ça récoltait. Ouais, c'est super, hein. Franchement magnifique, très très bonne idée. Ça change un petit peu, on n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça, enfin je pense pas, en tout cas moi j'ai pas vu. Il y a quand même quelques personnes qui font des séries maraîchères, hein, parce que je trouve que ça a bien pris. Et puis effectivement en plus ça change, hein, pour vous de regarder des vidéos toujours moisson, semis, mais arrivé à chaque fois je vais dire ensemencement, mais semis, récolte, etc. Labour, encore le labour, on en a pas trop. En général, c'est pas ce qui se voit. Ce qui se voit le plus. Je pense qu'on est quasiment plein. On va continuer légèrement là. On va juste remettre ça pour voir où on en est. Là, ça a l'air d'être bon. À chaque fois, je me lourde de touches. On va récolter avec celui de derrière. Ça devrait le faire. Voilà.
Et puis on a récolté nos deux caisses de patates, on va se les mettre en bordure tout simplement de champ. Allez, hop. Tip top, vous voyez, ça se remplit, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas très rapide à remplir, mais bon, en même temps, quand on cueille à la main, c'est encore moins rapide à remplir. On est bien d'accord. Ça avait l'air d'avoir continué et à chaque fois je me paye des arbres. Hop, tip top. Donc là je pense que devant on est plein. Ouais, les caisses sont complètes. En tout cas la caisse est bien remplie, la caisse métallique j'entends. Impeccable. Il nous reste 3 arbres et on aura fini notre récolte de pommes. Voilà, bah, si ça se trouve, voilà, l'intégralité de notre verger va nous remplir les deux caisses, les deux box métalliques. Et franchement, ça serait tip top. On pourrait pas rêver mieux. Voilà, enfin l'avant-dernier et enfin après le dernier. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas ça me plaît. Je prends également mon pied sur ETS2 avec ce camion américain que j'ai repeint. Ça y est, j'ai avancé un petit peu dans la carrière, j'ai pu avoir une peinture différente. Vous aurez ça dans le 3e épisode, donc là le 2e est tourné, j'étais encore de la même couleur. Je suis tombé sur une chose que je n'ai jamais eu sur ETS2, c'est à dire une déviation, et il a fallu se démerder tout seul tout simplement pour retrouver le chemin. Alors franchement bah, j'ai galéré, je vous explique pas comme j'ai galéré. Allez, vous verrez ça de toute façon dans la vidéo, ça c'est apparaître normalement, ça sera mardi prochain. Vous allez avoir également où vous avez eu si vous avez regardé. Oups, putain, pour monter sur la route, je vous dis pas là. Un épisode multi, j'ai retourné avec les gars un épisode multi sur Grande Brenne. On a fait un épisode pressage, ramassage de ballots de paille. Franchement, il y en avait de partout. Il y avait de quoi faire. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça. On va voir, on peut tout simplement y vendre. Il faut également encore que je termine tout simplement au niveau de la ROPA, puisque je ne l'ai pas remis en route et je voulais mettre cette fameuse remorque ROPA, mais finalement, j'ai pas eu le temps pour que j'aille à des courses. On ira chercher ça entre guillemets avec une remorque dite normale. Hop, je chante cette porte. Sonic, t'as pas fait la porte qui s'ouvrait dans le bon sens. J'aurais préféré qu'elle s'ouvre dans l'autre sens. Comme d'ailleurs quand on va aux vaches là-bas, le parc à vaches s'ouvre vers l'extérieur. Ça aurait été mieux, voilà. Petite info pour la V2. Si tu pouvais faire les portes qui s'ouvraient vers l'intérieur, ce serait beaucoup plus joli et beaucoup plus sympathique pour nous qui passons devant. Voilà. L'appel est lancé, dédicace à toi. Alors, est-ce que... là, c'était quoi, là, les amis? C'était peut-être de la pomme, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne si je veux... Ça donne rien. Et si je viens ici... Ça donne également rien non plus. Donc, à mon avis, il faut qu'on passe par la remorque, tout simplement, pour vider ces choses-là. En attendant, je vais les stocker là. On va les mettre ici. Nos deux caisses tranquillement. Voilà, hop, on laisse cette première caisse de pommes là et on va laisser la deuxième tout simplement à côté. Donc j'avais raison, la remorque est ici. Ah merde, je me suis planté de sélection. Voilà, impeccable, on a un petit peu de pommes, on est nickel. Allez, on va tout simplement retourner, voilà, vers la ROPA. On va la réactiver. On va la remettre en route, 31%. Alors je sais qu'elle fait un petit peu de bruit, je l'ai entendu dans la précédente vidéo, donc on va la laisser travailler tranquillement un peu tout seul. On va pas rester, on va aller chercher une benne pour récolter tout ça tout simplement. Et on va voir ce que ça va donner. Ça rend plutôt pas mal. On va la placer. Hop, est-ce que j'ai... Oui, j'ai ça, donc il faut qu'il tourne comme ça, tu vas tourner en rond. Et on va faire comme ça. Allez, c'est tout bon. On va switcher, je vais prendre mon favori entre guillemets, hop, on va retourner tout simplement à la ferme, récupérer une benne. Encore faut-il qu'on ait une benne qui récupère, j'espère que ma promo 10 récupère, ça sentait le fail, ma promo 10 récupère tout simplement. Et est-ce que j'ai, pareil, le follow me, sur cette partie là c'est pas certain, on va voir tout de suite et on va en profiter des fois que, sinon bah tant pis, on ira le chercher plus tard. Ouais, je l'ai. Bah écoutez, c'est parfait. Je pensais que je l'avais pas. Et finalement, il est ici. J'ai un gyro, mais lui n'en a pas. Allez, on va aller chercher tout ça. On va se ramener. Il a l'air de me suivre. On va pas conduire comme un blaireau.
Et on y va, on retourne à la ferme, 50 km/h. Bah écoutez, regardez, 50 km/h pour moi, il n'y a pas de souci. On va faire comme ça, c'est plus sympa, comme j'ai déjà dit. Ça dégage un peu l'écran, pas besoin de savoir à combien ça roule, franchement. Il n'y a pas de circulation sur cette map là, c'est pratique. Voilà, hop, cette fameuse porte dont je parlais tout à l'heure. Donc au niveau des patates, bah, j'ai toujours pas. On m'a dit d'utiliser le godet justement qu'Arceli avait laissé sur sa map Californie. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas essayé, il me semble que je l'ai mis. Mais franchement, j'ai pas essayé. Donc on verra bien pour le futur. On fera dans le prochain épisode. On va faire comme ça. Allez, là c'est tout bon. On va se laisser la promodicée là. J'espère qu'elle est vide. La charrue, on va la ranger là-bas, par exemple. Je pense que j'ai été très rapide par rapport à... Oh, il est là. Franchement, il a assuré. Allez, on va laisser ça ici. Arrête-toi. On va remonter. Ctrl F. Et on va pour l'instant te stationner ici. T'es tellement petit que franchement, on peut te stationner toi partout. J'espère que je vais passer là. Ouais, parfait. Allez, impeccable. Donc comme ça, vous avez vu un mode de plus dans la farming savoyard chaîne ou dans l'épisode du maraîcher. Je vous montre de temps en temps, il y avait le petit gator la semaine dernière. Et ben aujourd'hui, c'est le réforme Métrac. Il y a aussi des petites IB. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des véhicules qu'on croise quand même bien chez nous. Les petites IB pour aller en montagne. Alors il y en a un qui peut ramasser la paille, il y en a un avec une benne me semble-t-il. Enfin. Là c'est pareil, il faudra que je récolte un peu tout ce que j'ai, tout ce que je fais pousser, parce que regardez, ça commence à s'accumuler au niveau des serres. Donc l'eau toujours aussi magnifique, les montagnes là-bas également toujours aussi magnifique. Par contre, c'est au niveau de la carte, j'aurais dû couper par là. Ouais, on va couper par là. On va couper par là pour retourner sur le champ numéro 15, me semble-t-il, si j'ai bien fait attention. Pour aller, ouais, champ numéro 15, pour aller rejoindre la repas et commencer à vider un petit peu. Allez, un petit coup de vue intérieur, un coup de vue extérieur, un coup de vue intérieur. Ça roule tranquille, on est bien sur cette map Vieille France. Et je le dirai, je le redirai, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la version 2 pour... pour continuer cette carrière, là on va continuer tranquillement ensemble. Alors là je crois qu'il fallait qu'on passe par là. Et me semble-t-il qu'elle est dans le trou là-bas derrière le champ. Donc c'est assez pareil, j'ai pas encore utilisé, mais il y a une version 2.2 me semble-t-il qui est sortie. Donc écoutez, voilà, on aura la version 2.2 très prochainement. Ah voilà, je suis pas mauvais. Je suis tombé ici. Qu'est-ce qu'elle nous fait l'autre? Bah, elle a l'air d'être plantée là-bas dans la montagne. Pardon. Donc on va tout simplement essayer de la décoincer. On va essayer de pas trop la gêner. Ouais, elle n'a pas réussi à prendre le tour. Pourtant, a priori, il n'y avait rien de compliqué. Quand tu veux. Quand tu veux, ma grosse. Allez, c'est reparti. On va essayer de se mettre à cul. Alors voilà. Je pense comme ça, donc là normalement. Je vais tourner comme ça. Ok, allez. Récupère ton truc. Je vais venir à côté de toi. Tu vas essayer de me vider un petit peu tout ça dans ma remorque. Encore faut-il que ma remorque prenne, comme je l'ai dit, ses betteraves. Mais je pense qu'a priori, il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. J'espère qu'elle n'est pas trop haute. Voilà. Allez, essayez de voir. Ça a l'air de me détecter. C'est déjà pas mal. Et ça a l'air de vider. C'est encore mieux. Voilà. Écarte-toi un petit peu. Voilà. Écarte. Tip top. Ça, c'est pas beau. Regardez. C'est impeccable. Travail de concert. Repas, case CVX230. Titanium ou Platinum Edition. Ben Promodis Cargo CP100. 40. En plus ça va remplir. Ah, c'est un petit peu trop sorti. Voilà. Allez. Et ben je suis à 100%. Impeccable. Allez, tip top.
On va la laisser faire, on va retourner à la ferme, et puis ça sera bon pour cet épisode, ce nouvel épisode du maraîcher tout simplement. Donc finalement, l'idéal c'est de venir par là, ouais, c'est de venir où on était venu vider justement patates et betteraves. Bon, pour l'instant je vais les stocker à la ferme, parce que dans l'optique où on prenne, voilà, on est, ah putain. Donc là, le pont il est vraiment très cabossé. Putain, je vais pas arriver à passer, si quand même. 130 chevaux, si j'arrive pas à passer, franchement, ça serait un peu limite. On a oublié les gyrophares, on est sur voie route ouverte, voie publique. Donc on est obligé de mettre nos gyrophares. On va les mettre ici, les cochons, peut-être les veaux, je sais plus. Je sais pas, peut-être se prendre un... non, ça va pas passer. Direction la ferme, c'est par la gauche. Et on va se vider tout simplement nos betteraves. On va les stocker et puis on verra ce qu'on en fait par la suite, s'il faut les recharger ou pas. Il n'y a pas de souci, on les rechargera. Donc j'ai, voilà, le problème du portail qui est réglé. Je l'ai déjà dit, il faut enlever le véhicule. Les véhicules que vous auriez... oups! Vous auriez mis ici sous ce porche là. Allez, pousser un petit peu, je suis désolé. Les patates, je pense qu'elles étaient à droite, et les betteraves, me semble-t-il, c'est à gauche. Ah, pas de chance. Normalement, ça aurait dû passer. J'ai fait des manœuvres plus périlleuses. Voilà, impeccable. Sur GameSting, quand il fallait passer à travers les... Allez, on va le laisser vider tranquillement. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode du Maraîcher. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit. Pour la suite de mes aventures, portez-vous bien. Bonnes vacances à vous. Ciao, bye bye.